Et coucou, c'est les successeurs de Disney. Vous avez été très nombreux à nous demander un Draw My Life. Et malgré nos talents de dessinateurs douteux, nous avons décidé de nous lancer. C'est parti! Jadis, nous nous sommes rencontrés en couche-culotte, quasi à la naissance, comme nos parents étaient amis. Nous sommes partis en vacances ensemble lorsque nous avions environ 4 ans, dont nous avons peu de souvenirs tellement nous étions jeunes. Pour une petite anecdote, en primaire, nous aimions nous mettre du sable dans les cheveux pour nous les enlever ensuite mutuellement. Nos parents nous ont aussi rappelé que les jouets, nous, bof, on préférait faire traîner des chaises en plastique par terre pour le bonheur des oreilles de nos parents. Jusqu'en primaire, nous étions inséparables. Et puis une bande de filles est arrivée et nous sommes devenus amies. Je me souviens que nous jouions à Charm. Moi, étant trop timide pour parler à quelconque autre enfant, je resta seul en ayant pour plus grande passion Pokémon et les jeux vidéo. Nous sommes restés dans la même classe durant toute notre scolarité au collège. Mais je me suis surtout rapprochée de ma meilleure amie en laissant de côté les autres filles. Et moi, je suis vraiment restée seule jusqu'en 3e où je me suis rapprochée d'un camarade de classe. Mine de rien, depuis la primaire, on ne se parlait quasiment plus. Après la 3e, je suis partie dans un lycée, où j'ai fait une seconde générale, puis spécialisée en littéraire. Personnellement, j'ai redoublé ma 3e et j'ai rencontré Saphira. Safi, 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 l'exploratrice Safi. J'ai ensuite, à mes 16 ans, commencé un apprentissage en vente dans une librairie. C'était un rêve d'enfant. J'adorais créer de fausses boutiques plus jeunes et vendre des livres à mon frère et à ma sœur. 2 ans plus tard, et toujours dans mes études, avec mon frère, nous animions des soirées en son et en lumière. Et c'est lors d'une de ces soirées que l'on s'est retrouvés. J'ai été m'asseoir à côté de Prince et on a parlé toute la soirée. Ensuite, on s'est donné rendez-vous au ciné ou chez nous pour regarder des Disney et des films comme la saga du Seigneur des Anneaux. Mon précieux. On a même fait de la muscu ensemble en mangeant des chocobons. Nous avions d'ailleurs, à une soirée spéciale de cette salle, remarqué sur un délire que Princesse ressemblait un peu à Melinda Gordon de Ghost Whisperer. Nous est venue alors l'idée d'une parodie mélangeant les films de Ghostbusters et la série Ghost Whisperer. Pour créer alors Ghost Aspirateur, une femme qui chasse les fantômes avec un aspirateur, Melinda Gordon. Et le délire continua avec une idée de parodie de pub de parfum, Poussière. Je suis ensuite parti sur Clermont-Ferrand pour réaliser un de mes rêves, travailler à Micromania. Et en parallèle, nous avions commencé difficilement à cause de la distance à tourner des parodies ensemble avec plusieurs autres amis. 2 ans plus tard, m'ennuyant de ma famille et de mes amis, je suis retourné dans ma ville d'origine et nous avions enfin trouvé l'inspiration pour faire ce qu'on pourrait dire notre plus grande fierté visuelle, la parodie de Poussière. La majorité des personnes qui faisaient partie de notre groupe de tournage étant soit enceintes, soit pris par les études, soit démotivées, nous ont laissé tous les deux dans notre envie de faire davantage de vidéos. Un jour, Prince m'a contacté par SMS pour me proposer de se rencontrer dans un café pour parler d'un projet vidéo. Il me proposa de réaliser des vidéos autour de Disney à travers 2 personnages que nous incarnerions, Prince et Princesse. 2 successeurs venus d'un univers médiéval fantastique qui analyseraient les films Disney numérotés. Ce qui nous permettrait donc d'être seuls devant une caméra fixe. Je vous raconte pas la galère pour trouver le nom de la chaîne. Et finalement, nous nous sommes mis d'accord sur les successeurs de Disney. Non pas parce qu'on se considère comme successeurs de Walt Disney, mais parce qu'un prince et une princesse sont les successeurs du trône. Riffiz, mon frère, nous a aidés en nous faisant plusieurs musiques. Nos premières vidéos, qu'on a adoré faire sur le coup, avec le recul, nous paraissent laborieuses et brouillonnes, concentrées uniquement en 10 épisodes. Comme j'ai déménagé, n'ayant plus de lieu de tournage approprié en attendant la fin des travaux, nous avons commencé à nous dévoiler et sortir de notre rôle de prince et princesse pour faire des vidéos basées sur des tops de films et autres de notre enfance, puis les fanarts. C'est à partir de cette période que certains chroniqueurs sont arrivés, comme Lord Cavalier sans tête, puis plus tard est arrivé Oncle Buck, Amy, etc. Chatty et Violette sont venus timidement nous demander si on avait besoin d'aide et nous avons accepté. Quand le studio des successeurs fut terminé, nous avions aussi commencé les goûters. Et c'est dans cette période-là que la chaîne a commencé à prendre une ampleur à laquelle nous ne nous attendions pas du tout. Mais alors, pas du tout! Nous avons même été invités dans des conventions. On s'en remet toujours pas. Les 10 épisodes ont repris, Fantastic Tale est né, et les 2 épisodes de Ghost Aspirateur dont nous avions rêvé réaliser un jour, il y a longtemps. Nous nous sommes lancés tous les deux avec un groupe d'amis dans un comité des fêtes où il y a pas mal d'animations dont une est une journée médiévale fantastique où on nous a, sans vraiment laisser le choix, donné le rôle de roi et de reine.
nous avons rencontré certains d'entre vous, et aussi d'autres youtubeurs comme Wonderhook, Sans Pseudo, Pixitubeuse et plein d'autres. On vous aime, putain! Vous êtes de plus en plus nombreux à notre grande et agréable surprise. On vous remercie encore, et on ne cessera jamais de vous remercier. Et on est désolé pour cette catastrophe visuelle que vous venez de subir. On vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous. Bisous.